Et minuit, c'est un peu tard pour rentrer manger quand même. Donc on va s'arrêter là. Un volet qu'on ouvre normalement jamais, mais là il est même pas 4 heures et si je ne l'ouvre pas, vous ne voyez rien sur la vidéo. C'est déprimant. Alors je viens de regarder, ça fait presque une semaine, peut-être même un peu plus d'une semaine que j'ai pas posté de vidéo. Plusieurs raisons à ça. Je l'ai déjà dit dans une vidéo récente, je ne filme quasiment pas le week-end et je suis parti 3 jours chez mes parents ce week-end, c'était très bien, mais voilà, je ne filme pas pour le moment, quand je suis en famille ou en week-end. J'ai assez de temps dans la semaine pour ça. D'ailleurs, j'ai oublié ma carte SD chez mes parents ce week-end, ce qui fait que ce vlog sera intégralement filmé au téléphone. Je sais que la dernière fois, vous m'avez dit que la différence était vraiment minime entre le réflexe et le téléphone, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique de faire le vlog entier avec le téléphone. Dans les autres choses de pourquoi je n'ai pas filmé, je vous avais parlé dans la dernière vidéo d'un projet de vidéo que j'avais et pour lequel il fallait que je démarche des marques. J'ai démarché des marques, ça n'a rien donné. Alors, je vais pas vous dire le projet entier, juste l'objet que ça nécessitait, c'était une caméra 360 degrés. J'ai contacté donc la grosse marque, c'était Samsung, qui m'a dit donc que ce n'était pas possible. Je suis allé dans plusieurs magasins de Bordeaux, dont Red Fox. Et Red Fox, ça a été la frustration, puisqu'ils n'ont pas de caméra 360, mais la personne que j'ai vue au magasin m'a dit « C'est dommage, parce que sinon on te l'aurait donné tout de suite, on était carrément partant. » Vous n'imaginez pas la frustration que c'est. C'était horrible. Enfin bref, donc pour le moment, ce projet-là va rester de côté, voire même être abandonné complètement. Tant pis, il y en aura d'autres qui viendront plus tard, j'aurai d'autres idées, il n'y a pas de problème. C'est juste dommage, mais passons. Donc voilà, je n'ai pas fait le projet, mais en revanche, ce week-end, dimanche pour être exact, j'ai participé à un autre projet vidéo, celui des pavés bordelais. Alors, elle nous a parlé de ce projet, tout a été fait très très vite, dans l'après-midi. Je suis parti de chez mes parents en rush total pour participer à ça. On a fait un mannequin challenge à Bordeaux sur le miroir d'eau. C'était en une seule prise, mais le résultat est vraiment bien pour une seule prise. Franchement, je trouve que tout le monde a très bien joué le jeu. Personne ne bouge, c'est vraiment bien. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous alliez le voir. Les couleurs sont magnifiques. Bref, bravo Alexandra. Et grâce à ça, j'ai donc pu rencontrer Alexandra des pavés bordelais. Ça fait longtemps que je voulais vraiment pouvoir échanger avec elle parce que j'adore ce qu'elle fait. Notamment en vidéo, vous verrez sur sa chaîne, si vous allez voir d'autres vidéos, elle fait des choses très jolies, très douces, c'est on peut considérer ça un petit peu comme du vlog. Yeah ! Les vidéos sont assez courtes, et c'est en voix off par-dessus, c'est toujours très doux, très joli, très coloré, enfin... Vraiment, j'adore ce qu'elle fait, donc j'étais super content. J'ai pu rencontrer aussi pendant ce projet d'autres gens, comme Agathe, comme des gens qui se sont joints au projet au dernier moment qu'on ne connaissait pas, qui étaient très gentils aussi. Comme Choco Disco, voilà, des gens vraiment super sympas, c'était vraiment bien, on a bien fait de partir comme ça en rush pour y participer. Je suis vraiment content du résultat. Donc voilà, pour résumer un peu tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Donc je n'ai pas filmé, puisque je n'avais vraiment rien de concret ou que je trouvais intéressant à vous montrer. Et pourquoi je filme aujourd'hui? Tout simplement parce que je vous avais déjà montré une autre fois, je suis allé à un blog un apéro, donc c'est un rassemblement de blogueurs où on va boire un coup tous ensemble et on échange sur ce qu'on fait, tout ça. Et bien ce mois-ci, ça tombe aujourd'hui et je vais filmer puisque le cadre va être très sympa puisque ce sera sur une péniche. Je ne savais même pas que ça existait à Bordeaux. Donc voilà, on va encore rencontrer des gens. En plus de ça, dans un super cadre, donc voilà, la soirée s'annonce bien et puis j'avais envie de refaire une vidéo aussi concrètement, c'est un peu égoïste. L'apéro est à 7h30, il est 7h10, quelque chose comme ça. Je suis avec quelqu'un qui va devenir un habitué de cette chaîne, j'ai nommé Romain. Et je suis juste
sorti pour vous montrer l'ambiance qui commençait à y avoir à Bordeaux, les décorations. C'est toujours un moment particulier que j'aime dans l'année. On arrive donc, le bar c'est La Dame, mais on est dans un quartier que je ne connais pas, je ne viens absolument jamais ici. Mais genre vraiment jamais. Mais de loin ça a l'air sympa. Hein? Ouais c'est cool. Au revoir. Et je t'ai montré tout à l'heure déjà. Ah bon? Comme à chaque fois, cette soirée d'un blog un apéro est une réussite. J'ai encore une fois rencontré des gens très sympas que j'espère revoir vite. J'ai encore un tout petit peu faim parce qu'on n'a pas beaucoup mangé. Mais minuit, c'est un peu tard pour rentrer manger quand même. Donc on va s'arrêter là.